Chers internautes, je vous salue et je vous souhaite bonne et heureuse année 2020. En ma qualité de directeur général d'Acancel TV et PDG du groupe Acancel Image, je tiens à vous dire merci. Merci pour votre fidélité sur la chaîne Acancel TV. Acancel n'a jamais vu le jour il y a au moins 4 ans de cela. Et lorsque nous avons commencé, beaucoup ont dit qu'on n'allait pas arriver à là. Mais aujourd'hui, grâce à vous, nous avons tenu le coup. Et vous êtes nombreux à nous suivre à travers le monde entier. Vous êtes nombreux à nous accorder votre fidélité. Vous êtes nombreux à avoir confiance en nos produits. Je tiens à vous dire vraiment merci. Et bonne et heureuse année à vous. Vous les abonnés de Acancel TV, que le Seigneur vous donne longue vie, que le Seigneur vous accorde la santé, que le Seigneur vous accorde la prospérité, que le Seigneur vous accorde l'abondance. Parce que c'est grâce à vous qu'aujourd'hui cette chaîne a pu tenir jusqu'aujourd'hui. À l'époque, j'étais en Angleterre. Lorsque j'ai eu l'idée de venir en Côte d'Ivoire pour mettre en place la boîte événementielle Acancel Image. Et je suis venu, beaucoup ont douté, il y a eu les hauts, il y a eu les bas, mais grâce à vous, on a tenu le coup. Aujourd'hui, vous êtes au moins 30 000 abonnés qui nous faisons confiance, 30 000 abonnés qui nous suivons quotidiennement. Je tiens à vous dire merci. Je tiens à dire merci aussi à ceux qui ne sont pas abonnés, mais qui aiment Acancel TV, qui visitent notre page YouTube à chaque instant, à tout moment. Je tiens à vous dire merci. Acancel TV, ce n'est pas seulement des émissions de spiritualité, mais c'est plusieurs émissions à la fois que nous faisons sur la chaîne. Et 2020 est une année de défis. Et ces défis-là, nous voulons les révéler, les renouveler. Ces défis-là, nous voulons les réaliser avec vous. Et c'est avec vous que nous sommes là. C'est avec vous que nous allons avancer. Je tiens à vous dire merci. Merci aussi pour vos critiques. Merci pour vos commentaires. Merci pour vos j'aime. Merci aussi pour vos j'aime pas. C'est parce qu'on a vu quelque chose qu'on n'aime pas. Parce que vous avez regardé que vous aimez ou bien vous n'aimez pas. Donc ça veut dire que vous nous suivez de près. Vous nous regardez, vous nous suivez partout dans les quatre coins du monde. En tant que premier chef, en tant que directeur général de cette chaîne, de cette boîte Acancel, je tiens à vous dire encore merci et à vous demander d'être encore fidèle, à vous demander encore de nous suivre encore. 2020, nous comptons faire beaucoup encore. Nous comptons faire beaucoup de bonnes choses. On veut aménager encore nos programmes. On veut vous envoyer encore des nouveautés. On veut vous envoyer encore des documentaires. On veut encore améliorer nos différentes émissions que nous faisons quotidiennement. Nous tenons à vous dire merci. Nous voulons encore recruter certains animateurs, quelques animateurs encore pour vous égayer. Nous voulons encore avoir des émissions de divertissement. Nous voulons encore avoir encore d'autres émissions que nous sommes en train de préparer pour votre bien-être et pour votre plaisir. Chers internautes, c'est grâce à vous que nous sommes les premiers aujourd'hui sur la toile. Acancel TV, à l'époque, comme Ivoirien n'aime pas le bonheur de son prochain, lorsque je venais de Londres pour installer cette boîte, beaucoup ont dit qu'on n'allait pas arriver quelque part. Beaucoup ont dit que c'était une chaîne sur Internet, que les gens n'allaient pas nous suivre. Mais aujourd'hui, nous sommes surpris des fruits de ce que nous avons semé. Nous sommes surpris et nous sommes vraiment, vraiment contents parce que vous êtes fidèles, de votre fidélité sur la chaîne Acancel TV. Et 2019, comme je l'ai dit, qui est une année de défis, et nous allons relever tous ces défis ensemble. N'hésitez pas à nous apporter vos critiques. N'hésitez pas à commenter nos différentes émissions. Et si vous avez un souci, n'hésitez pas aussi à nous contacter. Notre numéro s'affiche en haut de l'écran. Vous allez voir le 07 78 87 85, qui est moi-même mon numéro. Vous pouvez me joindre à tout moment pour vos critiques, pour vos propositions. Nous sommes là. Et nous sommes fiers d'être une web TV. Nous sommes fiers d'être sur le YouTube. Et malgré que nous sommes sur le YouTube, on n'a pas encore cherché à boxer la page. On a laissé la page comme ça. Mais
Vous êtes venus comme ça, vous avez fait des abonnements, vous êtes nombreux. Et cela nous fait plaisir, cela nous fait plaisir, cela nous vaut droit au cœur. Et je tiens encore à vous dire vraiment merci et à dire à tout et chacun de croire à ce qu'il fait. Dans la vie, quand tu fais quelque chose, il faut te dire que ce n'est pas tout le monde qui est content. Je dis qu'on n'est pas obligé de t'aimer hein, où on marche là. Tu vois, même tu n'as rien fait, mais il y a des gens qui ne t'aiment pas. Parce qu'aujourd'hui, Dieu t'a béni, tu roules une petite voiture, il y a des gens qui ne t'aiment pas. Parce qu'aujourd'hui, tu as une petite maison, tu arrives à dormir, il y a des gens qui ne t'aiment pas. Mais il ne faut pas te figurer sur les gens qui ne t'aiment pas. Parce que si tu regardes le regard de ceux qui ne t'aiment pas, tu ne vas rien faire. Il faut aller de l'avant. Comme nous, à Cancer TV, nous sommes allés de l'avant. On n'a pas regardé les critiques, on n'a pas regardé les mauvaises critiques, on n'a pas regardé les mauvais œils. On est allé, on a foncé tout droit. Et aujourd'hui, le résultat est là. La réalité est là. Nous tous, nous voyons la réalité. Je tiens à vous dire, lorsque tu as un projet que tu veux réaliser, il faut aller droit au but. Il ne faut pas regarder autour de toi. Il ne faut pas regarder les paroles que les gens ont dit autour de toi. Mais fonce tout droit, comme nous avons fait. À Cancer TV, aujourd'hui, beaucoup sont surpris de nous voir encore là. Parce qu'il y a eu les hauts, il y a eu les bas. Mais on a tenu le coup. Aujourd'hui, la chaîne vraiment est arrivée très loin. Vous nous appelez de partout, États-Unis, Londres, Canada, Nouvelle-Zélande, Toronto, un peu partout dans le monde entier. Nous sommes là sur la toile et chaque instant, nous vous donnons notre nouvelle. On met des vidéos pour vous divertir, pour vous satisfaire, pour vous décontracter, tout et tout ça. Je tiens vraiment à vous dire merci parce que vous êtes les premiers. Les premiers parce que c'est grâce à vous que nous sommes là. Sans vous, nous ne sommes rien. Et je tiens encore à vous dire merci. Et les émissions de spiritualité, comme la boutique de l'invisible, on va mieux améliorer les choses. On va encore vous présenter beaucoup de bonnes choses, beaucoup de produits. Les émissions qu'on faisait avant, puis Polo, on recevait les artistes et les artistes venaient nous parler de leurs actualités. Nous allons encore réactiver tout cela. Et nous allons encore réactiver les émissions comme les documentaires qu'on partait faire dans les villes, dans les villages. On va réactiver cela. Les émissions religieuses, oui, dans les églises où on partait pour prendre des images, dans les églises, pour montrer un peu les bienfaits de certains pasteurs sur la toile. Nous allons essayer encore de réactiver tout cela. On va encore aller encore envers des personnes qui sont prêtes à nous accueillir. Nous allons vous montrer encore d'autres bonnes choses. En tout cas, on est prêt à vous servir. Et 30 000 abonnés, ce n'est pas un jeu. 30 000 abonnés, on a vécu beaucoup de moments avant d'arriver là. Je suis très fier et je suis très content. Et je vous demande encore votre fidélité. Cette année-là, abonnez-vous nombreux. Abonnez-vous nombreux parce que nous allons encore faire de bonnes choses. Nous allons encore vous permettre encore de mieux nous suivre. Nous allons encore vous permettre de nous aider à grandir. Cancer TV, c'est une web TV et nous sommes fiers d'être une web TV, comme je l'ai dit. Et aujourd'hui, nous avons des studios. Nous avons des studios comme là où vous me voyez aujourd'hui. Nous allons encore essayer de aménager, améliorer, décorer encore nos salles et nous allons encore faire de grandes choses avec vous. Je tiens à vous dire merci, à vous remercier encore. 2020 est une année de défis et c'est avec vous que nous allons réaliser, nous allons révéler tous ces défis, nous allons affronter tous ces défis-là. Et nous voulons être le numéro 1 sur la toile, le numéro 1 sur la toile. Et déjà, nous sommes bien partis et je tiens grandement à vous dire merci, 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 mille merci, mille merci à tous ces abonnés-là qui sont là quotidiennement, qui nous suivent à longueur de journée. Que Dieu vous bénisse, que cette année 2019, vous aussi, vos projets marchent à merveille. Que Dieu vous comble, que tout ce que vous demandez, que Dieu vous accorde. Et je tiens à vous dire encore merci et que Dieu ait la main de Dieu sur vous, que Dieu vous protège, que Dieu vous donne la santé, car sans la santé, nous ne sommes rien. Merci, merci, merci à tous les abonnés de Cancer TV, la chaîne de tous les goûts. Et je remercie aussi tous ceux qui ont contribué, oui, à l'évolution de cette chaîne. Je tiens à dire merci à Ibrahim Kwangin qui a été là. Je tiens à dire merci au frère Tchaker qui a été là. Je tiens à dire merci à Palaman qui a été là. Je tiens à dire merci à Camille Elis qui a été là. Je tiens à dire merci à Ali Ouadraogo qui a été là. Je tiens à dire merci à Akré qui a été là. Je tiens à dire merci à Brico qui a été là. Je tiens à dire merci à Paul Bakere qui a été là. Vous êtes nombreux, je ne peux pas citer tout le monde. Vous êtes nombreux, vous êtes nombreux, vous êtes nombreux. Et c'est grâce à vous qu'aujourd'hui, Cancer TV continue de mettre. Cancer TV continue de proposer des émissions. Je tiens à vous dire merci. Et je remercie aussi les gens de YouTube. Les gens de YouTube, c'est grâce à eux, grâce à leur moteur, qu'on arrive à s'exprimer. Bonne et heureuse année à toutes et à tous. Merci, que Dieu vous bénisse.